Oh mon dieu, mais c'est une ananas! Mais que c'était là? Mario continue les vols. Il est trop selon prise d'un rue. C'est un manufacture, eh oui. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Super Mario Sunshine. Cette fois, on va se rendre sur le niveau dont j'ai totalement oublié le nom. Je ne sais plus comment il s'appelle, on va voir ça tout de suite. Et c'est d'autres que Colin Bianco pour les pièces rouges du village. Je viens de faire les pièces rouges de Parkpina, maintenant je me chope les pièces rouges du village. Fous-toi de ma gueule, ça le jeu, c'est ça, fous-toi de ma gueule. On va voir si tu crois que je suis incapable de faire ce... choper ces 5 petites pièces. Et toi, t'es toujours en train de bronzer là. Allons, on prend plus. Et je crois que tu as besoin de lunettes de soleil. Ah, peut-être pas tout de suite. Il faut que tu passes un peu plus de temps sur l'île Delfino. Reviens me voir dès que tu en auras vraiment besoin. A bientôt. Mais qu'est-ce que je foutrais avec des lunettes de soleil? Ils sont complètement bourrés, les gens, ici. Oh, mais, Mario, tu n'es pas un pingouin. Combien de fois faudra que je te le dise? Alors, attention, aujourd'hui, on va devoir choper 8 pièces rouges. Attention, une. Une. Attention, il y en a une autre, là. Mais c'est deux. Il y a une troisième, là. Mais vous ne voyez pas, ça va à une telle vitesse, vos petits yeux de... Le patate ne peut pas suivre. Regardez-moi ça, je suis déjà à la quatrième. Regardez-moi ça, la cinquième est à ma portée. Attention, j'ai la cinquième. Attention, on va me choper celle-là en plein vol. La sixième. On se dirige vers la septième, Il y a même une pièce bleue que je choperai au passage. Sans que vous remarquiez rien du tout, nada. Et je me fais agresser violemment par un nuage. C'est un viol en pleine nature. D'accord. J'arrive pas à monter. Septième pièce. J'ai vu une pièce bleue par là. Je crois qu'il y en a une. Oui, elle est là. Ah. Elle est là. Eh, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais moi j'ai vu la huitième pièce rouge. D'accord. Je suis coincé. À l'aide. Non, Mario n'a jamais besoin d'aide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une poule qui... Mais qu'est-ce que... Je ne dirais rien. Arrête de déféquer sur ma zone de pièces rouges. Mon dieu, regardez-moi cet ennemi terrifiant. Le regard... On voit la peur dans son regard. Bon, je vais peut-être me barrer, hein. Toi aussi, tu ne vas pas me faire chier. Vite, attrape le bord, Mario. Tu peux le faire. Connard. Essayer de faire ça. D'accord, je suis totalement en train de foirer. On va monter sur ces petits rondins de bois, si on y arrive. D'ailleurs, je sais pas quoi ils servent. Vu qu'on a simplement à faire le tour. Mon dieu. Alors, elle est où cette pièce? Ah, c'est le trou, là. Ici. Mais oui, évidemment, elle nous replace à l'endroit le plus haut possible. Et cette fois, j'ai mis 3 fois moins de temps que la dernière fois. Ah d'accord, attends, allez-vous les tours. Par contre, j'ai presque plus d'eau, donc j'espère que je vais pouvoir y aller sans me retrouver juste devant et puis juste devoir faire un saut et manquer d'eau. Mais apparemment, le problème n'arrivera point. D'accord, il faut quand même que je passe par là-bas au fond. C'est vrai que j'aurais pas assez d'eau à mon avis. Attention à la mouette! Pourquoi il y a une mouette ici? À Porico, je veux bien, mais... Mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Oh putain! Mario, tu n'as presque plus d'eau! Bon, on va aller récupérer le bon, on va pas se faire chier. Regardez-moi ça! Attendez, c'est quoi ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, y'a, ok. Oui, c'est touché la poule. Ok, c'est un épique. Ah oui, je l'ai touché. Oh putain. Il a failli me chier dessus. On va récupérer l'eau et puis on va aller chercher ces étoiles. On va essayer d'aller chercher cette étoile. Enfin, je vais plutôt. Parce que vous n'avez rien à foutre. Putain de poule. Ah, j'ai failli tomber. Essayer de rebondir sur cette poutre en bois, ça ne servit absolument à rien. Je me fais littéralement violer par un nuage qui sort de je ne sais où.
Mais j'arrive pas à monter sur cette putain de truc. Mais passe pas à travers. Mais qu'est-ce que t'as pris, Mario? Je t'ai dit d'arrêter. Ah putain de vache. Voilà, voilà. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Me voilà. J'essaie de pas choper le petit truc rouge là qui apparemment est tout électrique. Attention, attention, plongeons. J'aurais été con si j'aurais foiré. Enfin, j'aurais pas été con, mais j'aurais passé pour un gros noob. Mais c'est un magnifique, on vient d'obtenir notre 18e étoile. Vous n'arrivez même plus à compter tellement ça va vite. Je sais toujours pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Je suis complètement perdu. On va arroser ce panneau et obtenir une petite pièce. Tu peux pas me dire, y'a un une pièce bleue. Je veux la pièce bleue. Oh, enfermez-moi en prison, je veux la pièce bleue. Attends, j'ai cru voir quelqu'un qui avait l'air énervé. Mon dieu. Mais calmez-vous les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Je t'assure, l'arbre sur ma tête est plus grand que le tien. Pardon? Je t'assure, l'arbre sur ma tête est plus grand que le tien. Mais normal, j'en ai pas. Mais je veux pas te reparler, je veux parler à l'autre et l'autre. T'es fou quoi, mon arbre est bien plus grand. Est bien plus grand. Mais quelqu'un en a à foutre, arrêtez la cocaïne. Bonjour madame, je vous voilà un piment et je... Attention. Le piment fait la taille de Mario. Comment est-ce possible? Même sur l'île Delfino, les OGM sont partout. Oh mon dieu, à toi tout triste. À part ça, on va lâcher ce putain le piment, le faire plouf dans l'eau. On va aller voir par là-bas parce que je viens de remarquer un petit truc intéressant qui n'est rien d'autre qu'un tuyau. Où je pourrais sûrement gagner une superbe étoile. Mais quelle magnifique vue sur une tour abandonnée. Ok, on va aller dans ce tuyau, on verra bien ce que c'est. Je sais pas vous, mais je la sens mal. Ça va, j'ai cru que j'aurais pas droit au jet. Voilà. En fait, ça a pas l'air si bien compliqué. Hey, pourquoi j'ai fait un level? C'est juste ce passage là à la fin où je vois que dalle, que je sens un petit peu mal. Il s'est passé très facilement parce que je suis Mario. Regardez-moi ça, il n'a rien. Il vient de faire une chute. Il vole sur des... Il est sur des plateformes qui volent dans les nuages. Au-dessus des nuages pour récupérer un soleil. Parmi tant d'autres. Eh, il est bravissimo. Ce n'est que Mario. Attention son garde parce que si jamais je perds, suite à des niveaux un peu... dur, genre... Ce fou, j'arrête pas de crever. Non, putain. Bon, bah, je dois retourner vers mon Porico pour pouvoir voir où est-ce que... Enfin, pour aller chercher une petite étoile là-bas. Et je pense qu'après cette étoile, à part si elle est super simple et que je la finis assez vite, on va se quitter. Le bazar. D'accord, ce que je viens de dire ne voulait rien dire. Alors, j'ai la tôle et flot. L'oiseau du sable légendaire. Ah mon dieu, c'est tout cassé. Oh putain. Il est sorti à mon avis l'oiseau. Hey, regarde-moi ça. C'est quoi, l'oiseau de sable a enfin éclos. Ne t'embête pas à le chercher, il est parti aussitôt. Ok. Dans ce cas, je vais danser avec toi. Bon d'accord, on va aller chercher ce putain d'oiseau, parce qu'évidemment, il n'y a qu'un con comme Mario pour aller chercher des étoiles sur un oiseau. Sérieusement, qui c'est qui irait chercher une putain d'étoile sur un oiseau? Ah, la cocaïne, vraiment, quelle invention merveilleuse. Attention, je monte sur le panneau. On va essayer de passer comme ça, je pense pas que ça passe. Oui, ça passe. Et on va faire un plongeon là-dedans. Non, 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 non. Oh, putain de merde. Encore des pièces rouges, bordel de... Zut alors, des pièces rouges. Comme je n'aime pas ça.
Oh, une pièce bleue, je vais pas la manipuler. Bon, ça va, ça a pas l'air très très compliqué. Faut juste qu'on se dépêche. Chope cette putain de pièce rouge là. Attends, putain, remonte, je vois rien. Six, ok, je veux bien, mais elle est où la huitième? Ah, qu'est-ce qu'il fait avec sa queue? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Ok, j'ai une pièce bleue. D'accord, on va essayer de remonter dessus. On peut le faire. Reviens là! Hé, reviens, Bob. Mais non! Reviens! Oh putain. Peut-être que... Ah, d'accord. Non. C'est fichu pour toi, Mario. Plonge vers la tour. Bon d'accord, apparemment j'irai chercher la pièce sur sa queue. Non, il n'y a rien de louche dans cette phrase. La pièce sur sa queue en premier avant qu'il la dandine, qu'il la branle avec envie. Je vais mourir, je meurs. Oiseau de sable. Mais quelle connerie. Sérieusement, pourquoi il faut des pièces rouges pour récupérer une putain d'étoile. Je l'ai. J'ai eu l'étoile sur sa queue. Dépêche. Ah putain. On va rapprocher un peu la caméra. On va se préparer à qui tourne. Je sais plus trop quand c'est. C'est juste après un nuage, est-ce que c'est le nuage que je viens de passer? Mais oui, et à mon avis ça doit être bientôt être là. Par contre il tourne dans quel sens? Je crois qu'il tourne comme ça. C'est bon, ça passe gentiment, ça passe. Je sais pas si vous entendez, mais il y a mon matel qui sonne, il est en vibreur heureusement. Est-ce que je peux récupérer l'étoile là? Non. Donc, si le bruit du natel a dérangé, je m'en excuse. La personne rappellera si c'est important. Puis, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter après cette étoile. D'accord. Elle est où cette pièce rouge? Where is the putain de pièce rouge? Je fasse gaffe parce qu'il se remet à tourner et que je fais pas attention, je peux crever comme une patate. Ok. Est-ce qu'elle est sur cette tour? Oui, elle est sur cette tour. Que je dois m'approcher de son aile. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Avec l'oiseau derrière, ça fait métal. Donc, on va récupérer cette étoile et je vais vous laisser là-dessus. Attention, son bravissimo. D'accord, faut vraiment que j'arrête avec ce bravissimo là. On va sauvegarder et continuer. Et donc, ce sera une vidéo légèrement plus courte que les autres, mais ce sera pas bien grave. Moi, je trouve vite un petit truc à faire. Attention, il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la lumière qui sort du sol. Alors. C'est parti, on va faire ce que nous demande ce monsieur. Je suis toujours à espérer le retour du soleil en vain. D'accord, je peux pas le faire, ça. Enfin, pas maintenant. Bon, ben, on va aller nager un petit peu. On va récupérer ces petites pièces. Puis, ben, je vais vous laisser là-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et je vous invite à y regarder l'épisode 7, qui normalement devrait déjà être uploadé. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut tout le monde!